Bonsoir à chacun et à tous. À la une de l'actualité politique ce soir, le tête-à-tête à huis clos d'une heure environ entre Nicéphore Soglo, Boli Yaï et Patrice Talon, le chef de l'État a reçu ses deux prédécesseurs au sujet du dénouement de la crise Bénin-Niger entre midi et 2 ce lundi. Pas encore de compte-rendu officiel, les échanges entre les trois hommes d'État interviennent 4 jours après le retour au Bénin des deux anciens présidents de la République suite à une médiation au Niger marquée par une rencontre avec le général Abdourahmane Tchiani. Patrice Talon qui est félicité à la Fondation Malherosou pour ses réformes dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Dans une de leurs périodiques sorties médiatiques, les responsables de la Fondation ont salué ce matin les conditions meilleures du Hajj 2024. Ils ont fait le tour d'horizon des sujets brûlants de l'actualité comme à leur habitude. Le point de presse est à suivre. Un plan de prévention et de contrôle des pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers. Le document adopté ce matin au cours d'un atelier à Cotonou va prévenir la survenance de toutes sortes d'infections. Patrice Talon a reçu ce lundi ses deux prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Boni Yaï. Les trois hommes d'État ont échangé en mi-journée au sujet de la crise bénino-nigérienne. Les deux anciens chefs d'État ont tenu cette rencontre avec l'actuel locataire de la Marina au lendemain de la médiation dont ils ont eu l'initiative la semaine écoulée. L'audience tenue à huis clos a duré environ une heure. Des communiqués du secrétariat général du gouvernement et du Parti Les Démocrates sont attendus dans les prochaines heures pour plus de précisions. Mais avant, on revient sur Canal 3 Bénin sur le contexte de cette rencontre entre les trois personnalités dans ce récit. Elle était à la une de l'actualité en début de semaine écoulée. Nicéphore Soglo et Boni Yaï à Niamey pour une médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Comme annoncé, les deux anciens chefs d'État béninois ont été reçus le mardi 25 juin avec les honneurs dus à leur rempart le général Abdourahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger. En présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et d'autres hauts cadres de la transition nigérienne, les deux hommes d'État béninois franchissent le record de temps d'audience accordé par l'homme fort du Niamey depuis son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023. 3 heures d'horloge. C'est la durée de cette rencontre entre Soglo, Yaï et Tchiani. Sans nul doute, la question de la fermeture des frontières du côté du Niger et l'avenir du projet d'oléoduc ont été au centre des échanges sans laisser les déclarations filtrées dans la presse. Les deux anciens présidents du Bénin, à Niamey, ont aussi rencontré deux anciens chefs d'État de la République du Niger, le général Salou Djibo et Ousmane Mahamane. Le séjour de 72 heures s'est achevé le jeudi 27 juin 2024, date à laquelle les deux médiateurs sont revenus à Cotonou. La rencontre de Nicéphore Soglo et Boni Yaï avec leur successeur à la Marina ce 1er juillet, 4 jours après le retour au pays, est une suite logique de l'agenda en cours pour juguler la tension entre les deux voisins. L'audience a été annoncée pour la mi-journée de ce lundi à 12h30 précisément. Les chefs d'État qui ont été reçus peu après 12h30. Un navire pétrolier se trouve depuis hier sur les côtes béninoises à hauteur de la plage de Fidjrosset, c'est à Cotonou. Le bateau estampillé SPLS UDEM y a échoué dans la nuit de samedi à dimanche. Une panne mécanique aurait entraîné la dérive de l'appareil ayant 9 personnes à bord. D'après les informations, voici le point de la situation dans la soirée de ce dimanche avec Maël Leroubelou. C'est ici, sur les rives de la plage Fidjrosset de Cotonou, que ce navire SPSL Oudémé s'est échoué dans la nuit de ce samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2024. Les populations environnantes se sont réveillées ce matin avec cette image, celle d'un navire immobile et à la dérive. Des groupes de curieux se sont alors formés sur la plage pour tenter de savoir ce qui s'y passait. Mais très vite, les éléments de la police républicaine sur les lieux ont dispersé ces groupes. D'autres hommes en uniforme sont également arrivés sur les lieux, notamment
notamment les sapeurs-pompiers, la marine nationale et quelques militaires. À cela s'ajoute une équipe du port autonome de Cotonou. À son bord, le navire. Quelques difficultés avec ce récit de Maël Leroux-Bellou. Je vous le disais en titre, les membres de la Fondation Malheur-Ressous étaient face à la presse ce matin. Avec les hommes des médias, il était question d'apprécier la bonne organisation de la participation des pèlerins béninois au Hajj de cette année. À l'occasion, la Fondation a félicité le chef de l'État et son gouvernement pour la pertinence des réformes permettant aux musulmans d'accomplir ce pilier de l'islam dans de meilleures conditions. Bien d'autres sujets d'actualité ont été évoqués à la faveur de ce point de presse organisé au siège de la Fondation à Cotonou. Compte rendu, Idrissou Boukari. Les discussions avec la presse ont démarré par cette prière, la lecture de Saint Coran pour remercier Allah pour ses grâces sur le Bénin. Amen. Au menu de ce point de presse, l'organisation du Hajj 2024. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon depuis quelques années, cette campagne se déroule désormais dans de très bonnes conditions et la Fondation Malheur-Ressous tient à exprimer sa gratitude au chef de l'État. Notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décerné au pays et réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Une délégation de la Fondation Malheur-Ressous était en visite à la zone économique spéciale de Glodjibé le vendredi 31 mai 2024 pour découvrir l'immense transformation de l'économie béninoise en cours. À l'occasion de ce point de presse, la Fondation réaffirme sa disponibilité à jouer sa partition pour la sécurisation des matières premières dont ont besoin les usines de transformation. Et nous demandons au gouvernement aussi, si les prix ne sont pas abordables, de s'entendre avec eux. C'est ce que la Fondation Malheur-Ressous demande de savoir. On soutient tous les deux. Entendez-vous. Gouvernement, augmentez quelque chose. Et vous, ne faites pas sortir vos choses parce que ça va nous faire développer le pays et nos enfants trouveront du travail à faire. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1 000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs. C'est ce que nous voulons faire. La Fondation Malheur-Ressous reste également préoccupée par la crise entre le Bénin et le Niger. La démarche des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont été saluées par les leaders religieux qui gardent l'espoir d'une issue favorable pour le bonheur des peuples béninois et nigériens. Les maires des communes du département des Collines et les membres de leurs conseils communaux sont reconnaissants à Patrice Talon. Ils lui réaffirment soutien. Au cours d'une réunion à Glasgow, ses élus ont exprimé leur fierté et la gratitude au chef de l'État pour ses nombreuses actions posées, ses actions de développement posées dans leurs localités respectives depuis son avènement. Imet Hélène Amoussou pour nous en dire davantage. Bien de réalisations effectuées par le gouvernement en 8 ans de gestion et qui ont changé le visage du pays, même dans les collines. Réunis ici à Glasgow, les maires, conseillers et autres cadres de l'administration des 6 communes de la région font le bilan et expriment leur reconnaissance au chef de l'État. Nous présentons ici notre grande reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement. Aujourd'hui, presque tous les chefs-lieux, que ce soit de nos communes ou de nos arrondissements,
sont électrifiés. Et nous assistons, à l'heure où je vous parle, à la mise en œuvre de plusieurs projets de densification et d'extension dans tout le département des collines. Au niveau des infrastructures routières, nous sommes très heureux de pouvoir quitter Porte-Novo, de prendre part le contournement de Savin pour rentrer dans les collines. Et nous gardons bon espoir que les autres routes qui nous ont été promises pour être carrossé, que cela puisse être une réalité sous peu. Et ce qui reste, et sur lequel nous faisons notre plaidoyer, relie la commune de Wesser au réseau national de bitume. Sur le plan sanitaire, le projet Arche permet de prendre en compte la santé des pauvres extrêmes. Notre souhait est que ce projet se généralise. Du projet Arche aux cantines scolaires, la modernisation de l'agriculture, le microcrédit, les infrastructures et autres, les conférenciers ont aussi mis l'accent sur plusieurs grands projets dont les impacts sont perceptibles dans le département des collines. Les jeunes de chez nous sont reconnaissants envers le chef de l'État à travers le projet de la GDIZ. Parce qu'aujourd'hui, avec les points focaux ANPE, plusieurs centaines de nos jeunes trouvent de l'emploi à la GDIZ. J'aimerais également remercier le chef de l'État pour les efforts qui ont été faits dans la construction des marchés modernes, précisément Savalou qui est en cours et Glazoué qui est terminé. Nous avons reçu l'annonce que le marché de Glazoué sera ouvert bientôt. Le social, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Le social, c'est aller au secours de celui qui est dans le besoin. Et le président Patrice Talon a compris que nos enfants doivent rester à l'école. Nos filles doivent rester à l'école et à renforcer le programme de cantine scolaire où aujourd'hui on est à plus de 75% des écoles couvertes. Les AME, on en a parlé, où récemment le gouvernement a pris cette décision de faire d'eux des fonctionnaires pleins, d'avoir les 12 mois sur 12 mois et de bénéficier également de certains avantages qui n'étaient pas pris en compte avant. Satisfait des avancées enregistrées, ces maires ainsi que toute leur équipe réaffirment leur soutien à l'exécutif, surtout au chef de l'État. Tout en l'encourageant à maintenir la dynamique, ils espèrent la mise en œuvre d'autres projets dont l'exécution aura une répercussion positive sur le bien-être des populations du Bénin en général et celle des collines en particulier. En santé maintenant, le Bénin se dote d'un plan national de prévention et de contrôle. Une action visant à éliminer les pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers pouvant être vecteurs d'infections de tout genre. Ceci dans le but de limiter et de prévenir ces infections. Le document a été adopté ce matin même à l'issue d'un atelier qui a réuni les acteurs de la médecine hospitalière. Esther Toffa pour le compte rendu. Cet atelier a réuni au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou les experts venus des hôpitaux et du ministère de la Santé. Après un long processus enclenché depuis 2022, l'heure est à la validation de cet outil stratégique pour la médecine hospitalière. Les actes de soins que nous posons au quotidien dans nos hôpitaux, dans nos formations sanitaires en général, sont souvent teintés de mauvaises pratiques qui sont à l'origine de nombreux risques d'infection associés aux soins et de l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. En effet, le but de ce plan national de prévention et de contrôle des infections est de protéger la santé de nos concitoyens en améliorant de façon continue nos pratiques au niveau de la prévention et du contrôle des infections. Par ailleurs, la validation de ce plan et sa mise en œuvre va aboutir à d'autres préoccupations, à savoir la rédaction de directive nationale de la prévention et de la lutte contre les infections, l'élaboration des directives nationales de la stérilisation, sans oublier le renforcement du plan multisectoriel de lutte contre la résistance antimicrobienne. Avec l'appui de l'USAID à travers l'Organisation mondiale de la santé,
Le plan national de prévention et de contrôle des infections au Bénin va réduire au mieux le taux des infections liées aux pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers. À cet effet, la première stratégie est le suivi de la pratique de l'hygiène des mains. Principalement, les études ont montré que c'est la mauvaise hygiène des mains qui est le principal responsable de la transmission des infections en milieu hospitalier. C'est pour ça que, avec l'appui de l'OMS, le Bénin a pris l'indicateur hygiène des mains comme un indicateur clé à surveiller. Si nous arrivons à amener tout le personnel à bien se laver les mains, nous allons réduire de façon considérable la transmission des infections associées aux soins en milieu hospitalier et autres espaces de soins. Ce plan national qui vient d'être adopté sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national dans les semaines à venir et ce pendant 5 années. Pour son épanouissement du point de vue du sport, de la santé, de l'emploi et de bien d'autres domaines, la jeunesse de Dangbo peut désormais compter sur le programme One Benin Fiesta pour zéro pauvreté. L'initiative vient de Romaric Boko. Le lancement de ce programme a eu lieu dans la commune en se matérialisant par une remise d'équipements sportifs aux jeunes de l'arrondissement de Zongué. Reportage. Cette descente de Romaric Boko dans la commune de Dangbo, précisément à Feigné-Camé, son village natal, entre dans le cadre des actions du projet One Benin Fiesta pour zéro pauvreté dont il est porteur. L'objectif de ce projet est d'accompagner à travers diverses actions la jeunesse à s'affranchir de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. Et pour ce premier contact avec la population de Feigné-Camé, Romaric Boko est venu les bras chargés. Plusieurs jeux de maillots et des ballons ont été offerts aux jeunes pour les tournois de vacances. Le programme s'effectuera en 4 phases. La première phase, c'est la promotion du sport à la base. Et il s'agira de donner au village des équipements sportifs, des maillots, des trophées, des ballons. La deuxième phase, c'est l'entrepreneuriat des jeunes pour accompagner les artisans, pour accompagner la jeunesse dans leurs activités respectives. La quatrième phase, c'est l'éducation et la santé. L'éducation, nous avons déjà commencé ici à Feigné-Camé par l'attribution des kits scolaires. La quatrième phase, c'est la santé. Nous avons prévu dans les mois à venir de fournir dans les centres de santé reculés des ambulances qu'on appelle des ambulances ultra-urbaines. Le geste de l'ONG One Benin Fiesta pour zéro pauvreté est fortement salué par les bénéficiaires. Au nom de toute la communauté de Zongué, je suis en train de fouiller dans le dictionnaire pour voir s'il y a un autre mot qui dépasse merci, mais je n'ai pas vu. Je ne peux simplement que lui dire merci, chers collègues. Au nom de nos ancêtres, au nom de l'éternel Dieu, je demanderai que l'Éternel, le Tout-Puissant, puisse le rendre tout ce qu'il est en train de faire, non au centuple, mais au multiple. Ce don d'équipement sportif n'est que le début d'une série d'actions que compte mener Romaric Boko pour l'épanouissement de la jeunesse du village de Feigné-Camé et de la commune de Dangbo en général. Eh bien, l'ONG ASP A1 EIRI, le bonheur, organise à Djougou du 5 au 7 juillet prochain un colloque scientifique. L'événement va réunir les savants religieux autour du thème « La foi islamique et la paix ». En prélude aux travaux de cette rencontre à la fois religieuse et scientifique, les organisateurs ont donné une conférence de presse à Cotonou ce week-end pour annoncer les différents temps forts de ce colloque. Les précisions. Sur les questions de paix et de religion, les débats ne cessent de s'accroître de jour en jour. Les compréhensions divergent, même si l'unicité de Dieu demeure irréfutable aux yeux de tous. C'est donc face à une telle réalité que les membres de l'ONG ASP Al-Hiri Le Bonheur ont décidé d'offrir aux savants un cadre d'échange sur la thématique de la foi islamique et la paix. L'islam ne recommande que la paix. C'est d'ailleurs tout le sens de l'expression « as-salam » dérivée de sa dénomination. Alors, quelle que soit la religion qui aspire à l'instauration de la paix, elle l'aura imité de l'islam.
De ce fait, comment allons-nous faire nous-mêmes pour œuvrer pour la quiétude entre nous? C'est pour cela que nous avons pensé cette rencontre pour nous unir davantage pour la paix. L'initiative est un colloque scientifique qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain à Djougou. Elle réunira des savants musulmans pour des séries de communication, des panels de discussion sur plusieurs thématiques en lien avec la paix et la foi islamique. Nous allons également aborder les questions de préoccupation sociale. En l'occurrence, la question du radicalisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, bon, ça fait d'actualité, on dit djihadisme ou autre, un peu partout. Nous allons dire, est-ce la conception que le monde occidental donne de cela, est-ce que c'est la même? Est-ce que cette vision-là est partagée au niveau du monde arabe? Quelle est l'approche du monde islamique par rapport au phénomène de radicalisation? C'est la contribution majeure qu'apportera ce colloque-là. Déjà, le décor est planté à cette rencontre préliminaire avec les hommes des médias, partie de l'historique de l'ONG ASP Al-Hiri Le Bonheur, jadis une association de ressortissants. Les organisateurs ont présenté un bref aperçu du thème du colloque scientifique. En tant que musulman, Dieu a dit « Wa atosamu bihabullahi jami'a ». Vous voyez? Donc, il est musulman. Tu es musulman, vous êtes des frères, même père, même mère. Il ne fait que de vous réconcilier, puisqu'il a des choses sataniques qui peuvent vous détacher. Il faut chercher toujours à s'unir. En dehors des sujets relatifs à la foi et la paix, les questions du genre seront également débattues. Quelle est la place de la femme dans l'islam? En attendant les explications approfondies qui seront issues du colloque, la gente féminine, selon les organisateurs, mérite d'être respectée. Éducation après la religion dans cette édition, l'école supérieure de management ESM Bénin et l'institut de formation à l'information et à la communication IFIC sont désormais partenaires. Ce protocole d'accord entre les deux pôles de formation va permettre de partager des expériences professionnelles dans plusieurs domaines. Suivez ici le compte-rendu de la signature de la cérémonie de signature du protocole d'accord. L'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC signent un accord de partenariat. Une formalité qui traduit l'engagement de ESM Bénin de mettre sur le marché de l'emploi des cadres compétents et bénéficiaires des formations et conformes aux normes en vigueur au Bénin. L'école supérieure de management a fait son bonhomme de chemin depuis 2007 et avec des résultats élogieux de par la qualité des enseignants qui interviennent donc au niveau de l'école supérieure de management. Après toutes ces expériences enrichissantes, nous avons voulu, à partir donc de cette année, faire partager les expériences de l'Hexagone à nos étudiants et à nos enseignants. C'est pour cette raison que nous avons commencé nos discussions il y a un bon moment et qui vont pouvoir être concrétisées aujourd'hui à travers la signature donc de cet accord de partenariat. Ce sont les domaines de management et de communication qui sont les plus ciblés. Et cet accord va permettre aux deux établissements de partager des expériences en la matière et faciliter le brassage des étudiants en termes de formation professionnelle approfondie. Ce qui m'intéresse particulièrement de monter ce partenariat et de le signer dans quelques instants avec l'ESM, et pourquoi l'ESM et pas une autre école, alors que nous avons eu des propositions, c'est parce que c'est d'abord une école du management. Alors ce que je suis en train de vous dire doit vous surprendre. Mais votre fondateur a eu la vision de créer quelque chose autour du management, puis ensuite de l'ouvrir à des filières de communication et de journalisme, parce qu'il y avait des demandes, c'est du business, c'est normal, sans abandonner le management. Et là où nous nous sommes entendus, lui et moi, dans son bureau, si je parle sous ton contrôle, Isidore,
c'est quand je t'ai dit, mais moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de rencontrer les filières de communication et de journalisme pour leur proposer de venir au terme de vos examens ici, de venir, pour ceux qui le souhaiteraient, chez nous, sur une formation de 10 mois en accéléré. Mais c'est aussi peut-être de convaincre in situ, là, cette fois-ci, ici, les filières de management de l'importance de savoir aussi communiquer. À travers ce partenariat, l'École supérieure de management ESM Bénin et l'Institut de formation à l'information et à la communication IFIC nourrissent l'ambition de former de jeunes leaders pour un avenir prometteur. La jeune chambre internationale JCAI Cotonou Soleil a 30 ans. À l'occasion de cet anniversaire, elle a organisé ce week-end à Abomey-Calavi un dîner de gala pour commémorer l'événement. La célébration qui s'est déroulée sous le thème « Jubilé de perles » a réuni les membres de la JCAI Cotonou Soleil concernés et d'autres membres de la Jeune Chambre internationale venus de différentes villes du Bénin. Retour sur cette soirée avec Eunice Ballet. Difficile de cacher leur joie, ces membres de la Jeune Chambre internationale sont heureux de se retrouver. 30 ans maintenant que la JCI Cotonou Soleil a vu le jour et que ses membres continuent de faire perdurer les valeurs de l'organisation. Le parcours a été très édifiant, mais aussi éclairsemé d'embûches qui nous ont permis de nous apprendre de nos erreurs et de travailler pour être plus résilients dans la communauté. Chacune de ces expériences que nous avons eues ont forgé notre identité, renforcé notre détermination et fait de nous une organisation résiliente et leader. Aujourd'hui, en regardant derrière, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes heureux du parcours effectué. Cette soirée des 30 ans de la JCI Cotonou Soleil s'est déroulée sous le parrainage du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atrokpo. Absent pour la circonstance, c'est la chef du premier arrondissement de Cotonou, Arlette Saizonou, qui est venue porter le message du maire. Je voudrais vous exhorter à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Fêter un anniversaire, c'est faire le point de ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire, qui est toujours plus que ce qu'on a déjà fait, au risque de se voir, de tomber dans l'autosatisfaction. Vous devez continuer. Je voudrais vous féliciter pour les actions réalisées ces 30 dernières années et vous exhorter à la persévérance dans votre engagement au service des communautés. Entre prestations artistiques, discours pleins d'émotions, retrouvailles et distinctions, les invités ont pris du plaisir et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. L'organisation a célébré ses 30 ans et je crois que c'est une importante organisation de la JCI Bénin et qui a toujours marqué par la qualité de ses activités et aujourd'hui ils ne nous ont pas démenti. La qualité qu'on leur reconnaît était au rendez-vous. Et je suis très heureux d'avoir participé à ce gala. Cette soirée de gala nous permet de nous retrouver entre anciens membres, membres fondateurs, membres qui ont suivi au niveau des différentes promotions de 1994 jusqu'à maintenant, pour nous retrouver et faire le point de la participation de la JCI Cotonou Soleil dans l'impact communautaire ici au Bénin. La célébration de ce jubilé de perles s'est achevée en beauté par la coupure du gâteau marquant les 30 ans d'anniversaire de la JCI Cotonou Soleil. Patrice Talon, Nicéphore Soglo et Bonnie Yahi ont convenu des diligences à mener pour le rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. C'est ce qu'on retient du communiqué rendu public ce soir par la cellule de communication conjointe des deux anciens présidents à la suite de leur rencontre avec le chef de l'État en cette mi-journée. Merci d'avoir suivi ce journal. Il est à son terme. Rendez-vous demain soir.